Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et bienvenue pour cette guidance, donc une guidance sentimentale intemporelle. Donc je ne sais pas pour qui parlera ce message, hein, si ce sera plus pour les couples, pour les célibataires ou voilà, adapté bien sûr à votre contexte. Et si cela ne vous parle pas, c'est que tout simplement ce sera pour une prochaine fois. Allez, c'est parti. Donc c'est une guidance sentimentale intemporelle qui n'a pas de date. Donc là, ici, bon, il y a déjà un sentiment de culpabilité ici, hein, pour une personne, hein, depuis un moment. Ça fait un petit moment que ça dure. Il y a le fait de se ruminer le moral. Il y a cette notion d'avoir eu des désaccords, d'avoir été montré du doigt, pardon, d'avoir été montré du doigt, d'avoir été jugé. Il y a ce sentiment de culpabilité, hein, qui est assez fort ici, hein, dès le début. Ouais. On parle de patience, hein, qu'il y a un travail à faire, oui, de patience, parce qu'il y a un cadeau ici qui va vous être donné. Il y a cette notion de sortir de cette culpabilité, hein, que ce soit vous ou une personne, en face de vous. Mais soyez patient et patiente. Oui. Il y a bien une protection ici. Hein. Il y a bien une protection et il y a une personne qui arrive vers vous. Il y a même cette notion ici qu'on transmet d'une personne qui vous observe déjà de loin. Ouais, il y a eu des mots qui ont été assez durs ici. Hein. Il y a eu des communications qui ont été difficiles et qui sont difficiles à vivre. Hein. Il y a un contexte ici. Qui est assez compliqué. Ouais, mais il y a bien cette notion de sortir de cette période ici, hein. Donc, il y a le fait, oui, de sortir de cette période, de communiquer avec une personne. Donc, voilà, ça pourrait être une personne que vous communiquiez via Internet, via les réseaux sociaux, hein. J'ai cette notion de nouvelles rencontres ici pour certains et certaines. D'entre vous. Ici, on dit que vous êtes sur une énergie de guérison. Hein. Vous allez sur une énergie de guérison, hein, grâce à cette rencontre. Hein. Oui. Pour l'instant, ce sont des communications, hein, qui sont éloignées. Alors peut-être une personne qui habite loin de vous, hein, mais en tout cas ici, il y a quelqu'un qui vous observe déjà, qui tâte le terrain. À moins que c'est déjà en train de se faire. Hein. Ouais. Là, il y a le fait de prendre des décisions. Hein. Il y a une situation qui est complexe ici, qui met à mal, qui a mis à mal. Et il va y avoir des communications qui vont amener à aller vers une décision, à prendre certaines décisions. Bon, il y a peut-être la notion ici pour certains et certaines d'entre vous, peut-être êtes-vous en cours de séparation et il y a des décisions qui seront données. Mais ces décisions vont vous amener une sérénité, une paix intérieure, vont vous permettre de redémarrer tout simplement votre vie sentimentale, hein, et de sortir de ce contexte qui vous enlise quand même. Hein. Donc, ouais, vous allez vraiment vers le changement. Donc là, il y a bien cette notion de sortir d'une situation complexe, de prendre certaines décisions par rapport à cette rencontre qui vient vers vous. Ce sera une rencontre qui sera différente. Hein. On parle de changement, on parle de nouveaux cycles ici qui se mettent en place pour vous ici. Waouh!
Wow. Il y a une grande énergie, il y a une grande énergie d'amour, d'accord? Donc on parle bien de rencontres sentimentales ici pour certains et certaines d'entre vous. Ce sera une rencontre sentimentale qui sera totalement différente. Alors quand je dis rencontre, hein, pour le moment, on est sur un contexte de communication. Il y a cette notion d'éloignement, de ne pas être près l'un de l'autre. Mais c'est une relation, oui, qui vous fait redécouvrir l'amour. Ouais, il y a une énergie de guérison, hein, par rapport à cette période de culpabilité. Vous sortez de ceci. D'accord? Ça vous a mis à mal, hein, quand même, hein. Ça vous a mis assez à mal, hein. Mais oui, vous allez vers une meilleure santé, hein. Vous allez moins cogiter, surtout en prenant une décision de sortir de cette culpabilité. Une culpabilité, un mal-être qui dure depuis un petit moment. Et je pense que ce bien-être va être retrouvé grâce à ces communications avec cette personne. Une personne avec qui vous communiquerez via les réseaux ou par téléphone, hein, mais j'ai plus cette notion de réseau. Vous êtes en pleine guérison. Hein. En pleine guérison. Ouais. On confirme, hein, que c'est une personne qui n'est pas proche de vous. Hein. Il y a un petit peu de distance. En tout cas, il n'y a pas pour le moment de rapprochement physique. Hein. C'est plus une notion d'apprendre à se connaître ici. Mais bon, on vous dit que cette personne vous est tendue par la destinée. C'est bien. Il y a vraiment cette notion de nouveau cycle de renaissance. Oui, on confirme. On confirme. Pour l'instant, de toute façon, vous n'avez pas de contact physique avec cette personne, puisqu'on est dans cette période voilà, d'enfermement, d'isolement, de vivre voilà, cette découverte d'amour de loin, bah, dû au contexte du confinement. C'est super, vous avez la réussite. Alors, ça a été une épreuve, hein. Ça a été une grande épreuve ici, hein, bah, par rapport à une relation, hein, qui s'est mal terminée, mal déroulée. Mais voilà, vous avez fait un travail sur vous-même. Mais il y a eu vraiment des paroles assez fortes ici, hein. Pour les personnes qui se reconnaîtront, il y a eu des paroles qui vous ont blessé, hein, qui vous ont vraiment meurtri. Là, ici, on vous a limite mis tous les torts sur vous-même. Hein. Mais bon, voilà, il y a le fait d'être sur cette énergie de guérison, d'avoir travaillé beaucoup sur vous-même et de vous en sortir, mais la tête haute. D'accord? Il y a vraiment une grande énergie de guérison là-dessus. Hein, d'accord? Oui, vous êtes en train de renaître. Hein, oui, il y a cette notion de nouveau départ, de nouveau commencement ici. D'accord? On est sur des personnes qui ont vécu des relations qui ont été très complexes, très complexes. Là, par rapport à cette personne avec qui vous ferez connaissance, hein, voilà, il est possible que vous communiquiez avec une personne que vous connaissiez déjà de votre entourage, d'accord? Entourage proche ou éloigné, hein. En tout cas, il y a le fait voilà, de tisser un lien d'amitié pour le moment sur cette relation. C'est bien. Petit à petit, l'oiseau fera son nid, hein. En tout cas, sachez que cette personne a beaucoup d'amour envers vous. Oui, on reconfirme. Hein. On reconfirme, c'est une personne que vous connaissez, d'accord? Avec qui vous avez commencé déjà à lier des liens ou commencé à faire connaissance et que voilà, il y a déjà quand même un prémisse d'amitié. Hein. C'est une personne que vous connaissez. Ça peut être une amitié de votre passé, hein. Pourquoi pas un ami d'enfance ou une amie d'enfance, hein, pour certains et certaines d'entre vous, une personne
Ben, voilà, tout simplement l'éloignement faisant que ben, chacun fait son petit bout de chemin et puis là, ben, ce contexte de confinement permet de renouer contact, hein. De renouer contact, hein. Ouais, vous avez la réussite, hein, sur les accusations, hein, qui vous ont été faites, hein. On confirme les accusations, hein, pour vous. Enfin voilà. Alors peut-être que vous n'avez pas été accusé, mais vous avez vécu ça comme, oui, de manière injuste, hein, de manière injuste, hein, de manière injuste. Mais il y a une réussite là-dessus, hein. Vous récoltez la réussite là-dessus, hein, donc voilà. Hein. Et vous êtes totalement de nouveau en accord avec vous-même. Ça vous a pris du temps, hein. Il y avait besoin de cette énergie de temps, de se poser, voilà, de prendre du recul, de prendre du recul uniquement avec soi-même. Et on voit bien que c'est une renaissance qui vous est vraiment très bénéfique, hein. Il vous a fallu beaucoup de temps, mais voilà, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour ici, pour certains et certaines d'entre vous, hein. Oui, avec cette personne-là, avec qui vous allez communiquer, ou vous commencez déjà à communiquer, voilà. L'amitié, ça va aller à temps, hein. C'est le temps de faire connaissance, d'approfondir ses liens, voilà. Mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision, d'accord? Une décision dans le sens, bah, soit de vous rencontrer, hein, une décision de passer à l'étape au-dessus, hein. De passer à l'étape au-dessus, mais c'est vous qui aurez le choix, d'accord? C'est vous qui avez les cartes en main ici, d'approfondir ce contact en sentimental ou non. On va voir si on a une dernière carte. Écoutez, c'est plutôt bien, hein, mais on est vraiment sur des personnes, voilà, qui. Oui, qui sont dans une énergie de guérison et surtout qui sortent de blessures qui les ont beaucoup amenés à travailler sur eux-mêmes et elles-mêmes, de séparations, ben oui, qui ont été difficiles à vivre, hein, donc voilà. Oui, par rapport à ces décisions, oui, vous allez trouver des terrains d'entente, d'accord? Donc ça, ne vous inquiétez pas, hein, ne paniquez pas, ça se fera doucement mais sûrement, hein, vous allez. Cette personne ici, j'ai cette notion que cette personne va accepter d'aller à votre rythme, d'accord? Parce que même si vous êtes sur cette énergie de guérison, on fait bien ressentir ici au niveau de vos énergies que ça a été quand même assez difficile pour vous de vous reconstruire, hein, d'accepter de vous réouvrir à l'amour, hein. Donc c'est quand même encore un peu fragile, mais voilà, vous êtes quand même sur cette belle évolution, sur cette belle avancée. Il y a un calme intérieur qui est retrouvé et une concordance avec vous-même, d'accord, hein. Donc là, oui, là, on est vraiment sur des personnes qui sont prêtes à se réouvrir à l'amour, mais voilà, ça passera par l'étape de l'amitié, hein, pour ensuite progresser, hein. C'est une personne qui ira à votre rythme, hein. Mais bon, on est sur une personne, hein, qui vous observe ici, hein. Donc voilà, forcément, si cette personne vous connaît et que vous êtes sur les réseaux sociaux, forcément que cette personne va vous observer, hein. Donc j'ai aussi cette notion d'une personne qui, comment dire, qui va vous rappeler des souvenirs d'enfance, ou que vous allez trouver des concordances, hein, voilà, ah ben moi, voilà, quand j'étais jeune, voilà, je faisais ça, ou j'aimais ça, ah ben moi aussi, et voilà, il y a cette notion là-dessus aussi. Oui, même s'il y a une grande notion, voilà, de toute façon, voilà, on part sur des bases amicales. Hein, mais amical, voilà, pour partir sur une amitié profonde, et une amitié profonde qui va évoluer si vous le souhaitez et que vous êtes en accord sur du sentimental.
Oui, c'est confirmé, hein. Vous êtes bien sur un nouveau cycle en renaissance, mais vous vous protégez, d'accord? Vous faites quand même encore attention, hein. Vous y allez doucement avec votre petit cœur ici. Vous avez besoin d'être sûr. Ouais, ça a été une grande épreuve, hein. C'est. Ouais. Ici, on est vraiment sur une renaissance, hein. Vous allez renaître ici. C'est vraiment. Oh oui, il y a la réussite, il y a la victoire. Hein, d'accord? Et d'ailleurs, quand vous allez être confronté à devoir prendre une décision, hein, j'ai cette notion de décision mutuelle. Hein, vous allez beaucoup y penser, d'accord? De toute façon, voilà, ça va vous trotter. Hein, ça va vous trotter dans le cerveau, puisque de toute façon, cette histoire d'amitié, ça vous travaille sur du sentimental, vous ressentez des choses. Hein. Donc voilà. Mais là, par rapport à cette personne, écoutez, il y a une grande énergie de réussite et vous trouverez de bons terrains d'entente. Hein. Voilà. Il y a la victoire pour vous. Hein. D'accord? Puis il y a le fait d'être beaucoup dans l'empathie. D'accord? D'être beaucoup dans l'empathie, dans la générosité, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse. Hein. Vous avez la joie. Vous avez la joie. Voilà, vous avez la joie sur la fatalité. C'est-à-dire après une période de mal-être, hein, une précédente relation, enfin voilà, un contexte qui a été, qui vous a beaucoup meurtri. Hein, j'ai même cette notion ici où ça a été plus ou moins du jour au lendemain, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez sur le bonheur, hein, grâce à cette relation ici qui se mettra en place, hein, avec beaucoup de possibilités. Donc voilà les amis, je vais vous souhaiter de passer une agréable journée. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous convient. Je vous envoie plein de belles énergies positives et je vous dis à très vite. Bye bye.